En France, le Sénat vient d'adopter une nouvelle taxe, une taxe au nom plutôt original, la taxe Nutella. Alors pourquoi un tel nom? Tout simplement car elle s'attaquera à l'utilisation de l'huile de palme, un ingrédient que contient notamment la fameuse pâte à tartiner. Alors actuellement, il existe déjà une taxe contre l'huile de palme. Elle est d'environ 100 euros par tonne. Avec ce nouvel amendement, elle s'élèvera désormais à 400 euros par tonne. En France, chaque année, près de 126 000 tonnes d'huile de palme sont utilisées pour la consommation alimentaire, une quantité importante, trop importante pour le gouvernement, qui du coup verra rentrer quelques 40 millions d'euros annuels dans ses caisses. Alors le but de cette taxe n'est évidemment pas de punir les petits enfants, les gros pots de Nutella continueront bien d'être vendus, 30 centimes plus cher néanmoins. Donc non, plus que les petits-enfants ou les petites filles, c'est plutôt les industriels qui sont visés. Trop d'huile de palme met en danger la santé, mais aussi l'écologie. Cette taxe Nutella incitera donc ces derniers à se tourner vers des produits de substitution comme le beurre de cacao ou encore l'huile de tournesol.